vieux sergent Grégory du 13e bataillon de chasseurs alpins. Je suis instructeur griffon ainsi que chef de groupe 00. Les aptitudes pour devenir un bon pilote griffon, quelqu'un qui est motivé, qui aime conduire. Les qualifications, il faut être minimum poids lourd pour pouvoir conduire le griffon. Comment se déroule la formation? Une première partie présentation générale du griffon ainsi que de l'environnement scorpion. Ensuite on passe sur une phase de pilotage et de maîtrise de son véhicule, conduite sur route, conduite en tout terrain. Ensuite on passe sur la place de chef tireur du véhicule d'infanterie pour tout ce qui est tir et utilisation du Tourello 12-7. Côté innovant du griffon, donc plusieurs exemples, la lutte contre les IED. Là on a une caisse qui a été surélevée, une caisse en V, ce qui permet de faire fuir un peu les impacts des IED, l'explosion. À l'intérieur, le plancher mine et des sièges surélevés pour éviter d'avoir l'impact par le sol. Un deuxième point, les performances du véhicule. On est passé sur un moteur de 400 chevaux, alors que sur le bas, on était sur du 200-220 chevaux. Le fond, pour l'instant, il me fait une très bonne première impression.